C'est pas que tu vas mourir. Le scénario je vais mourir, c'est simplement un scénario pour te cacher quelque chose de beaucoup plus important sur toi. En gros, ton système, c'est un système de sécurité qui te fait tourner la tête à droite, parce qu'en fait, à gauche, il y a une information super importante sur toi. Alors, si moi je tourne la tête à gauche pour toi, qu'est-ce que ça vibre à gauche? Tu esquives le danger. Le danger dans ton système, ça veut dire que tu esquives ce qui pourrait te transformer réellement. Ça me parle de phobie sociale. Donc, terme à prendre avec des pincettes, parce que je ne te connais pas. Mais ça résonne phobie sociale. Ça résonne les actions que tu pourrais faire au sein d'un cercle social, que ce soit ami, amical, familial, professionnel. Et qui pourrait te faire porte-à-faux. Il y a en toi une sensibilité, une fragilité, quelque chose qui est totalement cassé et qui te questionne sur ta place au sein du groupe. Est-ce que mes actions comptent? Et tu mets totalement ta valeur là-dedans. Tu mets une valeur, tu mets ton identité, tu t'identifies aux actions que tu peux faire ou ne pas faire au sein du cercle social. Mais derrière, comme ta structure me raconte qu'il y a une peur du jugement, une peur de mal faire, du coup, toujours vis-à-vis du cadre social, tu poses et tu crées une interdiction pour toi-même de toute mise en place concrète qui pourrait te servir à toi. Donc, ça vient de parler que ton ego, tu le mets de côté. Tu le mets de côté parce que ton ego, c'est une sorte de. Ton ego, c'est ton identité pour te remettre les choses dans le contexte. C'est ce qui te permet d'exprimer toutes ces énergies qui traversent ton être, à travers ton identité, à travers qui tu es, à travers tes spécificités. Et la mise en forme de tout ça, à l'extérieur, à travers des choses que tu voudrais faire, un hobby, un nouveau métier, les relations sociales, l'idée de partir en voyage, tout objet de concrétisation est quelque chose de difficile pour toi. Il y a une interdiction claire pour ne pas aller vers une concrétisation, vers une mise en forme de qui tu es à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de ta tête. C'est le film que tu es en train de te faire. Que tu es en train de te créer. Ouais. Quelque chose qui pourrait tomber n'importe quand. Peu importe où tu es, peu importe avec qui tu es. Et pourquoi tu te crées? Parce que ça aussi, c'est un film. C'est comme Inception, c'est un monde dans un monde, dans un monde, un rêve dans un rêve, dans un rêve, dans un rêve. Et dans ce rêve-là, tu as créé ce rêve-là pour te faire bouger. Parce que le négatif, c'est ce qui va te faire bouger le plus, pas le positif. Tu voudrais correspondre à quelque chose, à une image qu'on a de toi. Et tu penses que te caler dans ce moule-là, ça va effectivement te rendre heureux, et c'est même pas une question d'être heureux ou d'être malheureux, ça va te faire oublier la culpabilité que tu as, oublier le. C'est même pas de la culpabilité, c'est de la frustration que tu as à ne pas faire les choses. Donc ce soir, tout le groupe, on est vraiment sur notre rapport à l'extérieur. Est-ce que je m'oublie moi en me calant sur le moule des autres, sur le regard des autres, ou est-ce que j'oublie les autres et je viens me caler sur moi? Ouais, parce que j'ai tout dit. Bonne soirée à toi, salut.